pour un haul bébé, je vais vous montrer tous les petits achats que j'ai fait alors ces derniers jours avec ma mère, mais aussi ces dernières semaines. Je sais que les choses sont encore en magasin, donc normalement vous pouvez les retrouver, c'est pour ça que je vous les montre. On est allé à CEA. Alors à CEA, on a pris un petit ensemble, donc il est sale, elle l'a mis hier. Donc c'est un ensemble 3 pièces, donc il y a ce petit haut à fleurs en manches longues avec le petit jean et la veste. Donc la veste est style un peu moumoute sur le tout sauf les manches, et les manches sont en style laine, enfin voilà, tressées, vraiment bien. Et super chaud, donc ça c'est bien quand il fait pas assez froid pour mettre une doudoune, mais quand même un peu froid, ou sinon quand il fait très très froid sous une doudoune quoi. Donc l'ensemble c'est chez A, c'est la marque Baby Club. Et aussi un autre ensemble 3 pièces, alors ça on me l'a offert pour son baptême, enfin on lui a offert pour son baptême. Et je vous montre parce que du coup je l'ai vu en magasin quand on est à la CA. Donc c'est cette petite chemise toujours à fleurs, celle-ci est boutonnée devant, petite chemise à fleurs. Il y a le petit haut sans manche à poils rose, ça j'aime bien, j'en ai dans toutes les couleurs, toutes les tailles, j'aime trop. Et le petit legging bleu clair qui va avec. Donc voilà, ça c'est donc c'est Baby Club, c'est du 12 mois, donc elle va le mettre bientôt, elle n'a pas encore mis celui-là. L'autre c'était du 12 mois aussi et elle l'a mis hier et ça va pas trop mal, hein. C'est vraiment la taille qu'il lui faut finalement en ce moment. Après chez CA aussi j'ai pris un petit haut blanc, ça c'est un petit haut tout simple, tu veux mon cas, c'est un petit haut tout simple, mais il manque toujours des hauts pour mettre sous les robes ou sous les salopettes. J'ai pas envie de la mettre juste en body parce qu'on voit les, on voit le cache-cœur qu'il y a ici, donc ça fait vraiment body, donc j'ai besoin de petits. Après toujours chez CA on a pris ce manteau, enfin ce manteau qui est plutôt en laine, à l'intérieur il est doublé polaire, il est hyper doux, hyper chaud. On l'a pris en taille 12 mois pareil, 180. Et voilà, il est super beau, la petite capuche, il lui va super bien. Et il est pas très très, enfin il est assez épais pour tenir bien chaud, mais pas super épais parce que j'ai une doudoune qui est hyper épaisse et elle a les bras comme ça quoi. Donc ça, il est assez souple pour qu'elle arrive quand même à bien bouger. Et dernière chose qu'on a pris chez CA, cette petite doudoune sans manches. Donc c'est les mêmes fleurs que son petit chemisier. Elle était à moins 30%, donc il y avait un petit coin, il y avait des choses à moins 30, donc c'était super utile parce que je crois qu'elle était à 17€, moins 30%. Et donc voilà, donc je l'ai pris principalement pour son tricycle. Je pense que ça va être super bien pour que ça le tienne bien chaud, mais qu'elle arrive quand même à bien bouger parce qu'elle bouge, elle touche à tout quand elle est sur son tricycle. Donc je pense que ça peut être bien pratique. Et c'est quand même bien chaud, mais après nous à Marseille il fait jamais très très froid, donc je pense que ça va être l'idéal. Donc voilà ce qu'il en est de CA. Après je vais faire le Kiabi. Alors à Kiabi à chaque fois j'achète un milliard de choses, mais il y a plein de choses super sympas, souvent il y a des promotions, ce qui était le cas en ce moment. D'abord j'ai pris des bavoirs, alors j'ai pris des grands bavoirs comme ça, donc là j'en ai que 5, mais c'est des lots de 7. Et en fait ils sont bien grands parce que ceux que j'avais jusqu'à présent c'est ceux qu'elle avait depuis qu'elle était bébé, et enfin bébé, elle est toujours bébé depuis qu'elle est née, et c'était des courts en fin de compte et qui n'étaient pas super pratiques. Et du coup j'ai pris ceux-là qui sont doublés imperméables quoi. Donc ça passe pas à travers, donc il y a cette couleur là, il y a des petits messages. Donc il y en a 7 comme ça et j'en ai pris 7 autres. Après toujours chez Kiabi j'ai pris ce petit bonnet. Donc il y a des petites oreilles sur le devant, il y a un petit pompon sur le dessus, et sa particularité c'est qu'en fait il ne s'enfonce pas sur la tête, on a juste à le poser comme ça, hop, à accrocher en dessous. Tu vas montrer qu'elle t'aide. Et voilà, regarde. Et du coup voilà, et ce qui est bien c'est qu'il va pas lui tomber sur les yeux. Après chez Kiabi aussi toujours j'ai fait le plein de collants. Donc j'ai fait le plein de petits collants. Là c'était 6€ les deux. J'ai pris ceux-là, donc ils sont gris. Et après il y a comme si elle avait des grandes chaussettes
chat. Enfin, c'est des chaussettes, limite peut-être des bas. Je pense que ça va faire super joli, je ne vais pas encore m'essayer. Donc il y avait un lot, celui-ci, et blanc cassé à point noir. Donc c'était le lot à 6€ les deux. Et après j'en ai pris des unis, c'était 3€ l'un. C'était 3€ l'un et il y avait deux achetés, le troisième gratuit. Donc en fait ça fait 6€ les trois. Donc il y a beige pris, blanc et j'ai pris noir. Elle a dû me les enlever. Ah non, il est là. Et du coup, le troisième noir comme ça, donc tout simple. J'ai pris du taille 19-22, c'est probablement ce qu'elle fait. J'ai l'impression qu'ils ont l'air un peu longs, mais bon, mieux vaut que ça ne lui serve pas trop. Je pense que ça devrait aller. Après, j'ai pris ce petit t-shirt. Je l'ai pris en 24 mois. Donc c'est I Love My Dad. Il était à 2€. Ça fait du bruit, ça me plaît. Il était à 2€, moins 50%, donc il m'est revenu à 1€, ce qui est vraiment pas cher. Je l'ai pris en 24 mois, j'aurais dû peut-être le prendre à 18, mais je pense pas qu'il y en ait. 24 mois, ça fera l'hiver prochain. Je la mets quand même quelques fois, même en hiver, en t-shirt. Donc je pense que ça ira au niveau taille. On verra bien. On continue chez Kiabi. J'ai pris juste un petit sous-pull col roulé blanc cassé, comme celui que j'ai pris, enfin comme pour celui que j'ai pris à CA, c'est pour mettre sous les robes, sous les salopettes, voilà. C'est assez pratique. Sur ces articles-là, donc celui-là il a coûté 4€ et il y avait plein d'autres couleurs et il y avait deux achetés, le troisième gratuit. Moi j'en ai pris qu'un parce que je me rappelais plus les autres, enfin les robes que j'avais et du coup les couleurs qu'il me fallait en sous-pull pour mettre en dessous. Mais c'est la bonne affaire parce que du coup ça fait 8€ les 3 et ça revient vraiment pas cher les petits sous-pulls à col roulé. Il y a à col roulé sans, il y a aussi à petit poids, enfin il y a vraiment pas mal de choix sur ça. Après j'ai pris aussi un petit gilet, donc il est gris à pois blanc. Je l'ai pris en 18 mois, donc ça va être pour cet été, l'hiver prochain je pense. Ou même je pourrais lui mettre dès ce printemps je pense si le 12 mois lui va plus. Voilà, un petit gilet basique qui est toujours utile à avoir. Après, à moins 50%, donc il y avait des robes. Donc il y avait beaucoup d'articles, c'était du 1 mois, du 3 mois. Mais en cherchant bien, on trouvait des bonnes affaires. Et du coup, j'ai pris cette petite robe, donc qui est grise, style salopette. Donc elle est grise à pois, salopette, il y a un petit nœud devant. J'arrive à le montrer. Il y a le petit nœud, la petite poche, donc elle est vraiment sympa. Elle était à 12€, moins 50%, moi je l'ai pris à, donc ça fait 6€. Je l'ai pris en 24 mois pour l'hiver prochain, donc je commence vraiment à acheter des choses pour l'hiver prochain parce que pour cet hiver elle est vraiment pareille, elle a un milliard de choses. Donc voilà, quand je trouve des trucs d'hiver, je prends pour l'hiver prochain, quand je trouve des trucs d'été, je prends à 18 mois. Donc ça c'est assez bien et surtout qu'au moins on profite des promos. Je l'ai tellement aimé que je l'ai pris aussi en 18 mois du coup pour cet été. Donc celle-là plutôt en framboise, rouge, je ne sais pas trop dire rouge, rose. Donc voilà, toujours à 12€, moins 50%. Donc elle est revenue à 6€ pour cet été. Ce sera nickel avec les petits hauts que j'ai pris. Ce sera très bien. Et dernière chose que j'ai pris chez Kiabi, je crois, ouais, c'est cette... Comment on appelle ça? Ce poncho. Alors en fait, actuellement, elle a déjà un poncho, vous voyez, qui est beige. Et qu'on avait déjà pris chez Kiabi et qui est hyper pratique pour la sortir et la rentrée de la voiture. Comme dans le cosy et le siège auto, il ne faut pas qu'elle ait doudoune. C'est assez galère quand on l'a dans les bras, qu'on va pour la mettre dans la voiture ou pour l'enlever, de lui enlever la veste ou de lui remettre. Le poncho, c'est vraiment nickel. Hop, je lui enlève, je passe à côté du cosy et dès qu'on ressort, je lui remets. C'est hyper pratique. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Kiabi toujours. Qui est gris noir, donc il n'est pas vraiment noir, il est plutôt gris foncé. Les petites oreilles, il est un peu à paillettes, à reflets. Il a deux boutons devant, et puis voilà, il est doublé. Il est hyper épais, il est beaucoup plus épais que l'autre qu'on avait qui était un peu en pull. Donc, ça vraiment, ce sera super et je pense que ce sera mon meilleur ami pour l'hiver. J'ai pris par contre du 18 mois, j'avais l'impression que le 12 mois était un peu court, je sais pas. Et puis ça lui va nickel au 18 mois, donc tant qu'à faire, autant le prendre du 18. Ça lui ira tout l'hiver au moins. Alors après on passe à H&M. J'avais acheté ce petit pull il y a quelques semaines et il est encore en magasin.
Donc c'est un genre de petit renard, c'est un petit pull tout doux, on se dirait à poil, quoi. Avec les petites oreilles là, là il est blanc, il y a les petits yeux, le petit museau, il est hyper mignon, il est assez fin mais tient quand même chaud, voilà il est super, donc celui-là il lui va très bien en ce moment. Pareil, en 6-9 mois, j'avais pris cette robe qui lui va un petit peu grand pour l'instant, c'est ça? Ouais, 6-9 mois, et pourtant elle lui va un petit peu grande, mais ça va. Donc c'est une petite robe en jean à petit pois blanc, qui est hyper mignonne, ça fait robe tunique, et elle était vendue avec le petit legging blanc à pois noir. Moi, je trouve que ça fait beaucoup cet ensemble. Donc le legging, je vais le mettre avec d'autres hauts, et la robe, je vais la mettre avec soit un autre legging ou plutôt des collants. Ce que j'ai fait la dernière fois, je l'ai mis avec des collants blancs. C'était très bien. Après, on passe à Orchestra. On a acheté ce petit ensemble. Donc, c'est une petite chemise blanche avec mini, le petit liseré et moutarde. Voilà, avec des petites mini. J'ai beaucoup d'affaires mini. J'en avais un peu marre du mini, mais celui-ci, je le trouve super classe. Et il y a le petit pantalon qui fait style jogging, donc qui est un peu gris chiné. Il y a une petite mini là, il y a un petit sac et un peu des rappels de moutarde. Il est super joli. Donc, je sais plus par contre si c'était vendu ensemble ou si nous on a pris l'ensemble. Je sais plus trop. Donc, toujours chez Orchestra, on a pris ce petit haut. Donc, il est blanc avec tout un motif en turquoise, framboise, moutarde. Avec là des petites dentelles, rappel moutarde. Et il y a aussi un petit liseré moutarde. Non, mon cœur. Touche pas la caméra. Et il y a encore un petit liseré moutarde sur les manches et au bas du haut. Il est super bien travaillé, il est très très joli. Et pour aller avec, on a pris un petit short. Donc un petit short bleu turquoise. Pour l'instant, il ne lui va pas encore. J'ai l'impression que tous les shorts que j'ai lui vont petit, enfin lui vont grand. Donc c'est du 12 mois. Il y a de quoi le rétrécir. Donc je pense que je vais essayer de le rétrécir pour qu'il lui aille à la taille parce que sinon il tombe. C'est une catastrophe. Donc voilà le petit short avec le petit revers, les fausses poches derrière, c'est hyper mignon. Et pour aller aussi avec le même haut, on a pris ce petit jogging. Donc il est super joli. J'ai pas l'habitude de la mettre en jogging. Je trouve que, je sais pas, quand il marche pas encore, les joggings, je trouve pas ça hyper hyper beau. Mais celui-ci, je trouve magnifique avec la poche devant. Le petit revers, il est tout doux, il est vraiment super bien. Et je me suis dit que quand on irait à la montagne, pour rester à l'intérieur, ce sera hyper, hyper sympa. Donc, on est allé aussi chez Oh Baby et on a pris cette petite marinière, donc au col Claudine, avec un gros cœur rouge devant. Il est super joli. Et on a trouvé aussi cette robe, c'est un peu style des années 70, je trouve. Elle est quand même pas mal épaisse. J'ai l'impression, mais bon, voilà, ce sera super pour cet hiver quand il fera bien froid et qu'on devra sortir. Et elle était avec ce petit legging, donc blanc avec les petits boutons verts, enfin vert bleu turquoise sur le côté. Donc, dernier magasin où on est allé, c'est Zara. On a acheté deux petits articles. Du coup, ce petit haut qui est gris chiné avec des chouettes et des hiboux, des plumes. Un petit peu coloré et à paillettes. Il est vraiment hyper joli, hyper bien fini. J'ai l'impression qu'il a aussi un style un peu loose. Je pense que ce sera super joli. On l'a pris en 18-24 mois. Ça a l'air un petit peu grand, donc je pense que ce sera parfait pour l'année prochaine. Et dernier article, c'est cette jolie petite robe noire que Zoé a. Allez! On finit la vidéo. Allez hop, c'est le dernier article. C'est une petite robe noire à fleurs avec un petit volant. Je ferai probablement des photos parce qu'elle va la mettre à la fin du mois. On a un anniversaire où c'est élégant en robe noire. Donc voilà, on lui a pris ça. Et elle sera super jolie dedans. Ça coûtait quand même 25 euros. On l'a pris en 9-12 mois. Donc ça sera nickel. Moi je le fais souvent en centimètres. Donc c'est 80 cm. C'est ce que je lui prends en ce moment. Donc voilà pour le dernier article. Voilà cette vidéo maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. J'essaie de vous montrer du coup tout ce qu'on a acheté ces dernières semaines pour Zoé, pour l'habiller, pour cet hiver, cet été et l'hiver de l'année prochaine. Je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos de tout ce que j'ai acheté. Je vais essayer de tout retrouver. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Je dis au revoir!